Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans le quartier du Marais, à Paris. C'est ici que se trouvent la plupart des archives sur l'histoire du capitaine Dreyfus. Alfred Dreyfus, symbole de l'injustice, mais surtout du combat pour la justice. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Paul Salmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce lieu exceptionnel au cœur du Marais, rue du Temple, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Dans la cour de ce musée se trouve une statue en hommage à Alfred Dreyfus, réalisée par Tim. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous ? Alors c'est effectivement une sculpture magnifique réalisée par Tim en 1985 à une commande publique de l'État qui avait d'ailleurs au départ vocation, en tout cas c'était le souhait de Tim. Tim c'est le nom d'artiste de Louis Mittelberg hein, qui a été un grand dessinateur de presse, qui a travaillé pour l'Express, pour le Nouvel Observateur. Et Tim, qui avait eu cette commande publique du ministère de la Culture, souhaitait qu'elle fût installée dans la cour de l'école militaire. Mais à l'époque, ni François Mitterrand, ni Charles Hernu, qui était ministre de la Défense, n'ont souhaité que l'on suscite le remords des militaires, de l'institution militaire. Et donc la statue s'est promenée dans différents endroits dans Paris, sur la terrasse haute des Tuileries, pour être finalement installée à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs et du boulevard Raspail, où elle est d'ailleurs très souvent taguée, très souvent vandalisée. Et à cette occasion, on en a fait faire un autre tirage, et dans la cour de l'hôtel de Saint-Aignan, qui abrite le musée d'art et d'histoire du judaïsme, hein, qui est un très bel hôtel particulier du XVIIe siècle, dans le Marais, vous l'avez dit, rue du Temple, évidemment, elle symbolise l'importance de l'affaire Dreyfus, tout à la fois dans l'histoire des Juifs de France et dans l'histoire de la consolidation de la République. L'affaire Dreyfus est un moment crucial de l'histoire de France. Pouvez-vous nous en rappeler les étapes ? L'affaire Dreyfus, c'est l'histoire d'une erreur judiciaire qui se transforme en complot judiciaire, complot militaire, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et même du gouvernement, puisque le général Mercier était ministre de la Défense à ce moment-là. Le service des renseignements militaires découvre en 1894 l'existence d'un réseau d'espionnage au profit de l'Allemagne, hein, avec laquelle la France est en assez mauvais termes depuis Sedan, depuis 1870, c'est un euphémisme. Et très vite, on se met à accuser Alfred Dreyfus, qui est un jeune militaire, polytechnicien, extrêmement brillant, d'origine juive alsacienne, qu'on accuse en vérité essentiellement pour des raisons de mépris des Saint-Cyriens à l'égard des polytechniciens, des Saint-Cyriens plutôt aristocrates, plutôt anti-républicains, à l'égard des polytechniciens qui, eux, sont issus de la méritocratie républicaine, et puis évidemment qu'on accuse par antisémitisme, hein, et parce qu'on a tendance à assimiler les Alsaciens aux Allemands. La hiérarchie militaire le fait condamner très rapidement au bagne, à l'île du Diable, au large de la Guyane, dans des conditions effroyables, à l'issue d'un procès véritablement totalement inéquitable, auquel d'ailleurs ni sa famille ni les défenseurs ne croiraient, au terme duquel on ne pensait pas qu'il serait condamné. Deux ans après, le lieutenant-colonel Picard découvre la preuve que Dreyfus n'est pas l'espion et que l'espion est Esterhazy. Et malgré la démonstration du fait qu'Esterhazy est l'espion, Dreyfus n'est pas innocenté. Un procès est intenté à Esterhazy, il est acquitté. À ce moment-là, Émile Zola publie dans l'Aurore, le 13 janvier 1898, son fameux J'accuse, hein, dans ce pamphlet à la une de l'Aurore, extrêmement virulent. Ça va provoquer un procès d'Émile Zola, hein, qui va d'ailleurs être condamné à de la prison, qui va s'enfuir de France. Et donc en 1899, on fait revenir Alfred Dreyfus de l'île du Diable. Un procès en appel a lieu à Rennes, dans le lycée qui deviendra aujourd'hui le lycée Émile Zola. Au mois de juillet 1899, et malgré les preuves de l'innocence de Dreyfus, Dreyfus est à nouveau condamné parce que l'institution militaire ne veut pas reconnaître son erreur, et même y compris les fausses preuves qu'elle a forgées pour
pour démontrer la culpabilité de Dreyfus. Mais dans la foulée, il est néanmoins gracié par le président de la République. Et ensuite, pendant des années, il va se battre pour faire démontrer son innocence. Et son innocence ne sera officiellement reconnue que des années après, en 1906, par la Cour de cassation. Le mage conserve un fond très important sur l'affaire. Premièrement, comment a-t-il été conservé? Et que trouve-t-on dans cet ensemble? Alors, effectivement, c'est un fonds considérable. Il y a plus de 3000 documents. Hein. C'est l'un des principaux fonds en France, avec celui de la Bibliothèque nationale et celui du musée de Rennes, précisément. Il a été constitué par des dons successifs. Et le premier des dons a été un don de Georges Aboukaya, qui a été un des grands donateurs du musée, qui a donné énormément d'œuvres au musée. Mais surtout, il est constitué de plus de 2500 documents qui ont été donnés par les petits-enfants du capitaine Dreyfus, qui ont eu le geste extrêmement généreux de donner au musée la totalité des archives qu'il conservait sur l'affaire, et qui n'ont pas voulu en faire commerce. Et donc nous avons véritablement un fonds de référence, mais c'est un fonds essentiellement constitué de documents, d'archives, de lettres, de coupures de presse, quelques photographies, mais dans lesquelles il y avait assez peu d'iconographie jusque-là. En décembre 2020, le mage a acquis en vente publique plus de 200 croquis d'audience des procès Zola et Dreyfus. Quelle est la particularité de ces documents? Et que représente-t-il pour l'histoire? Alors, la chose tout à fait extraordinaire, c'est que contre toute attente, il y a un trésor qui est sorti de nulle part, on pourrait dire, à la suite de différentes successions. Le fonds d'un dessinateur de presse qui est devenu ensuite un journaliste et un critique d'art, Maurice Feuillet, qui était né en 1873, qui a été dessinateur de presse au procès Zola en 1998 et au procès en appel à Rennes en 1999, a été retrouvé. Et est passé en vente aux enchères à Nantes il y a quelques jours, et on a retrouvé 200 croquis d'audience. Vous savez, ces croquis d'audience, c'est ces dessins, comme on en fait encore aujourd'hui. On en a vu récemment pour les procès des attentats de janvier 2015. Lors des procès, on n'a pas le droit de faire de photos. Donc, en revanche, les dessinateurs de presse ont le droit de dessiner la cour, les juges, les avocats, les accusés, les parties civiles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Maurice Feuillet au procès Zola et au procès de Rennes. Et donc, on a 200 dessins avec à peu près tous les protagonistes. C'est tout à fait extraordinaire. On a les juges, on a les avocats, on a Dreyfus, on a deux magnifiques portraits de Lucie Dreyfus, qui a joué un rôle très important pour soutenir son mari. Hein, pendant des années, ils se sont écrits et elle lui a soutenu le moral pour qu'il ne soit pas tenté par le suicide à l'île du Diable. C'est très bien documenté maintenant. On a les témoins, on a les experts, hein, le célèbre Bertillon, qui se prétend expert en graphologie alors qu'il ne l'est pas et qui invente une théorie complètement fumeuse pour accréditer la culpabilité de Dreyfus. On a d'autres experts en faveur de Dreyfus. On a Ludovic Trarieux, le président de la Ligue des droits de l'homme. Au procès Zola, on a Jean Jaurès. On a le Casimir Perrier, le président de la République. On a toute une brochette de généraux plus mouillés, pourrait-on dire, dans la conjuration contre Dreyfus les uns que les autres. Toute une série de gradés de moindre importance. Enfin, c'est un véritable trombinoscope, hein, de l'affaire Dreyfus, tout d'un coup, qui apparaît, comme j'ai envie de dire, par miracle, et que le musée a pu acquérir grâce à l'exercice du droit de préemption de l'État, c'est-à-dire qu'à la fin des enchères, Claire de Compes, notre conservatrice de la collection historique, se lève et préempte au nom de l'État. On a vraiment la reconstitution en image du procès Zola et du procès de Rennes. Vous avez hommage à un objet exceptionnel, les galons du capitaine Dreyfus. Nous avons la chance de les avoir ici. Alors nous avons ces galons pour une raison tragique, qui est que, comme on le sait, Dreyfus a été dégradé dans la cour de l'école militaire en janvier 1895, quelques semaines après sa condamnation, avant d'être envoyé, je crois, en février 1895 à l'île du Diable. Il a été dégradé d'une manière particulièrement humiliante, hein, puisqu'il a dû traverser une haie de cavaliers qui lui tournaient le dos, donc il était véritablement au cul des chevaux. Hein. Et ensuite, ses galons lui ont été arrachés au milieu de la cour de l'école militaire, son épée a été brisée, et vraiment tous les symboles de l'armée et de son appartenance à la hiérarchie militaire, qui était pour lui extrêmement importante, qui était très représentative de ce patriotisme des Juifs alsaciens qui remonte à la Révolution française et à l'émancipation en vérité. Hein. Dès la Révolution, on a des Juifs qui s'engagent dans les armées révolutionnaires, et on a des tas d'exemples d'Alsaciens qui
ont été des militaires extrêmement patriotes. Et Dreyfus, la famille de Dreyfus a évidemment choisi la France après Sedan en 1870. Donc pour lui, cette dégradation et cette condamnation étaient vraiment profondément humiliantes. Un commissaire de police a ramassé les galons et les a remis à la famille qui, des décennies après, en a fait don au musée. Donc on a ces objets extrêmement, extrêmement émouvants. Dans ces salles du deuxième étage du musée d'art et d'histoire du judaïsme, nous évoquons l'intégration des juifs dans la nation française après l'émancipation, pendant tout le 19e siècle, et puis l'émergence à la fin du 19e siècle, notamment sous l'impulsion d'Edouard Drumont, d'un antisémitisme complètement nouveau, un antisémitisme racialiste, dont cette affiche d'Adolphe Léon Villette est un des exemples les plus affreux, j'ai envie de dire, puisque c'est une affiche pour les élections législatives de 1889, et on voit tout à fait que l'antisémitisme a droit de cité dans l'espace public. Hein. Adolphe Léon Villette est candidat antisémite dans le deuxième arrondissement de Paris et il dit explicitement « le judaïsme, voilà l'ennemi ». Alors on voit aussi l'ignorance de ces gens puisqu'il confond le Talmud avec les tables de la loi. Mais c'est très représentatif de cet antisémitisme extrêmement virulent qui va être le paysage dans lequel va se développer l'affaire Dreyfus à partir de 1894. Alors voilà, dans le prolongement de ces salles consacrées à l'émancipation, on a cette salle consacrée à l'affaire Dreyfus avec toute une série de documents sur l'affaire, notamment cette très belle photo d'Alfred Dreyfus, auquel, il faut bien le dire, Louis Garrel ressemble énormément, mais aussi toute une série de coupures de presse, ce jeu de loi de l'affaire Dreyfus qui est un document absolument incroyable, et puis en audiovisuel, un florilège de ces affiches antisémites qu'on appelle le musée des horreurs, où sont caricaturés tous les protagonistes de l'affaire et notamment tous les Dreyfus de l'époque qui ont défendu Dreyfus, notamment toute une série de protestants français éminents comme le président du Sénat, Scheurer Kestner. Que reste-t-il de l'affaire Dreyfus dans l'histoire de France, d'après vous, aujourd'hui ? Ah ben c'est un moment clé. D'une part parce qu'elle permet la consolidation de la République, à un moment où la République, après la fin de l'Empire en 1870, est encore assez fragile, à un moment où la droite est encore royaliste, où l'antisémitisme a... Alors, il aura pignon sur rue et droit de cité dans l'espace public jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en vérité. Ça va susciter la création de la Ligue des droits de l'homme. Hein. Ça va aussi susciter le vote de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est le moment de la naissance de la figure de l'intellectuel engagé à travers la figure de Zola, qui va, et de l'intellectuel engagé dans la vie politique, qui va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Enfin. Merci, Paul Salmona. Merci pour... pour toutes ces lumières sur cette affaire et sur ce personnage si mythique. Merci pour tous ces croquis, merci pour ces galons, merci pour ces croquis qui nous évoquent la dignité, la force que Lucie Dreyfus a pu donner à son mari, parce que derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.